Bien le bonsoir à la populace. Durant les années 90, la ville de Baton Rouge en Louisiane est secouée par une vague d'homicides qui va durer 10 ans. Des découvertes macabres auront lieu, effrayant les citoyens qui ont peur de marcher dans les rues. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Sean Vincent Gillis. Notre histoire débute en Louisiane. La Louisiane est connue pour sa grande hospitalité et la ville de Baton Rouge en est un bel exemple. Mais quelques quartiers sont un peu moins accueillants. Il y a une grande différence entre le nord, le centre et le sud de la ville. Le nord de la ville est un peu plus dangereux. Là-bas, vit des femmes qui mènent un style de vie assez risqué, en se promenant dehors à toute heure du jour et de la nuit. Une femme qui mène ce style de vie est mère de deux enfants. Elle s'appelle Donna Bennett Johnston. C'est une femme dépendante au crack qui se promenait dans les rues à sa recherche. Malgré ça, c'était une bonne mère qui s'occupait très bien de ses enfants. Mais durant l'année 2004, deux personnes qui recherchaient leur chien sur Banyan Road tombent sur ce qui leur semblait être le corps d'une femme dans un fossé. La cause du décès serait l'étranglement. C'est un certain Todd Morris, enquêteur, qui est appelé sur la scène de crime. Le corps était face contre terre sur le bord du canal. Une veste lui couvrait le bras droit. Lorsque les enquêteurs ont enlevé la veste, ils ont vu que le meurtrier lui avait coupé le bras au coude et avait emporté avec lui son avant-bras, ainsi qu'un morceau de chair qu'il lui avait enlevé sur la cuisse droite. Mais remontons un peu le temps, car les meurtres ont débuté il y a 10 ans de cela, en mars 1994. Une certaine Terry Lemoyne, qui travaillait dans une station essence, fait la connaissance d'un certain Sean Vincent Gillis. Le feeling passe bien, et Terry et Sean se fréquentent de façon plus assidue, mais Terry ne connaît pas tout de Sean. La maison de retraite St. James Place se trouve en face d'un dépanneur. Une certaine Anne Bryant, une dame de 82 ans, est l'une des résidentes de la maison de retraite. C'est une femme très gentille et très respectée. Et le soir du 20 mars 1994, Anne attend la visite de son infirmière pour son examen périodique. Sachant que la porte extérieure de l'immeuble n'était pas verrouillée et que Anne avait laissé sa porte un peu entrouverte pour que les infirmières puissent apporter ses médicaments. Mais lorsque les infirmières entrent dans la chambre de Anne tôt le lendemain matin, elles font une effroyable découverte. Anne a été agressée très violemment. Le nouveau petit copain de Terry, Lemoyne, Sean Vincent Gillis, est un homme aux antécédents familiaux plutôt troublants. Tout a commencé après un accident entre Norma et son père et sa mère Yvonne. Ce jour-là, Yvonne rentre chez elle et tombe sur son mari Norman, totalement ivre, pointant un pistolet sur la tête de Sean, menaçant de la tuer elle et lui. Après cet incident, Norman fut interné dans un institut psychiatrique. Il souffrait de troubles psychologiques. Lorsque Sean entre au collège, il reçoit l'aide de Robert Baum, l'un de ses professeurs. En classe, Sean était un élève agréable, qui travaillait bien et ne causait aucun problème. Mais Sean était un enfant troublé. Il devait se débrouiller seul dès son plus jeune âge. Lorsque Sean rencontre Terry, à l'âge adulte, il trouve enfin quelqu'un à qui parler de ses insécurités. Mais Sean a quelques vices. Il consomme beaucoup de contenu pornographique, ce qui nuisait à leur relation. Terry, elle, travaillait de nuit. Du coup, cela laissait quartier libre pour Sean durant toute la nuit. Il roulait toute la nuit à la recherche de femmes. Et une femme marche le soir dans ses rues. Une certaine Catherine Hall, qui se prostituait de temps en temps pour combler ses fins de mois. Mais le quartier nord de Baton Rouge était assez dangereux pour les prostituées, qui étaient des proies faciles pour les prédateurs, recherchant à faire du mal à des femmes. Le soir du 4 janvier 1999, la vie très risquée de Catherine Hall va se terminer de façon brutale. Son corps est retrouvé sous un panneau marqué « Dead End », cul-de-sac en français. Son corps était recouvert de nombreuses coupures et des marques de liens. Un seul indice est retrouvé, mais n'aide pas vraiment les enquêteurs. Ils retrouvent la veste de Catherine, mais aucune empreinte est retrouvée. Les enquêteurs recherchent alors des pistes, mais se retrouvent très vite dans une impasse. À cette époque, les difficultés apparues dans la relation entre Terry Lemoyne et Sean Vincent Gillis commencent à s'aggraver. Lorsque Terry se réveille à 23h pour aller travailler à la station-service, Sean n'était pas là, et lorsque Terry lui demandait où il était, il ne pouvait pas répondre. Terry pensait alors que Sean le trompait. Un matin, alors que Sean vient chercher Terry à son travail, elle sent une odeur nauséabonde dans la voiture. Elle lui a alors demandé d'où venait cette odeur, et Sean lui a répondu qu'il avait heurté un animal sur la route en venant, et qu'il restait un peu de sang sur l'avant de la voiture. Sean commence alors à se passionner pour les ordinateurs et à en explorer les aspects les plus sombres. Sean était H24 devant son ordinateur, et plus spécialement sur des sites où il pouvait voir des corps de femmes mortes, et ça tous les jours. Outre sa passion pour internet, Sean fréquentait un petit groupe d'amis. Parmi ce groupe d'amis se trouvait une certaine Johnny May Williams. Il l'avait rencontrée dans la boutique où il travaillait. Elle faisait souvent les ménages chez eux. Elle était connue pour ses talents de cuisinière. Elle était très aimée par ses amis. Un soir de janvier 2003, Johnny décide de sortir toute seule dans les rues du nord de Baton Rouge, ce qui inquiète sa famille. Mais malheureusement, ce soir-là, elle ne rentrera pas chez elle. Un meurtrier sadique rôde encore dans les rues. 9 mois après, en octobre 2003, un jeune homme qui roulait en vélo dans les forêts à la recherche de son chien, qui s'était enfui,
tombe sur le corps de Johnny May Williams. En examinant le corps, l'enquêteur Morris fait une découverte macabre. Les deux bras de Johnny étaient couverts. Lorsqu'il a enlevé la veste pour examiner le corps, il a constaté que ses deux mains avaient été coupées et détachées des poignets. Ce meurtre avait des similitudes avec celui de Catherine Hall. Johnny avait aussi été étranglé et mutilé après la mort, avec des traces de liens. Plus les meurtres avançaient, et plus le meurtrier était sadique, et coupait de plus en plus de parties de corps qu'il emmenait avec lui. Sean était très attaché à sa mère. Elle travaillait très dur, et faisait tout pour offrir à Sean tout ce qu'il y avait de mieux pour lui. En 1992, lorsqu'elle quitte la ville pour poursuivre sa carrière ailleurs, elle laisse sa maison à son fils Sean, âgé de 29 ans. Donna Bennett Johnston n'a plus qu'un seul bras, et son corps a été jeté au bord d'un canal, tandis que les meurtres de Catherine Hall et Johnny May Williams ne sont toujours pas résolus. Sur le lieu du crime de Donna Bennett, se trouve une trace de pneu, ce qui montre que Donna se trouvait peut-être dans une voiture et que son corps a été jeté au bord du canal. Les enquêteurs ont trouvé le profil génétique d'un homme sur trois des victimes. Le FBI commence alors à dresser une liste de suspects potentiels. L'empreinte de pneu retrouvée sur la scène où le corps de Donna Bennett Johnston a été retrouvé était un élément de preuve encourageant. Le FBI avait une liste de gens qui avaient acheté ce type de pneu dans la ville. La première personne sur sa liste était un certain Sean Vincent Gillis. Un matin, alors que Terry Lemoyne rentre de son travail, deux enquêteurs sonnent à sa porte. Ils voulaient parler à Sean. Sean et les enquêteurs sont alors sortis parler dehors, et Sean a dit à Terry qu'il devait les suivre au poste. Sean demande alors aux enquêteurs s'il peut fumer une dernière cigarette. Il en a fumé la moitié, il l'a jetée par terre, puis l'a écrasée avant de dire « Allons-y qu'on en finisse ». Sean est alors interrogé, mais Sean nie tous les faits. Les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de la relâcher par manque de preuves. Il prélève alors un échantillon de son ADN. Après ça, Sean est rentré chez lui, a fait à manger, et lui et Terry ont regardé un film avant d'aller se coucher. Plus tard dans la soirée, les enquêteurs reçoivent un appel qu'ils attendaient. Le laboratoire judiciaire de l'État de Louisiane leur annonce que l'ADN de Gillis est identique à celui prélevé sur les scènes des crimes de Catherine Hall et de Donna Bennett Johnston. La soirée en amoureux de Sean et Terry est interrompue par une visite des policiers. Ils ont enfoncé toutes les portes de la maison et ont lancé une bombe fumigène dans la maison. Ils sont alors entrés et ont arrêté Sean. Pour Terry, ces accusations sont incompréhensibles, mais elle verra bientôt le vrai visage de la personne avec qui elle avait partagé sa vie. Sean est alors de nouveau interrogé et révèle les détails atroces de ses crimes. Il explique alors pourquoi il y avait des marques de lien sur ses victimes. Il leur dit alors qu'il utilisait des attaches autobloquantes qu'il appelait l'objectificateur, car elles transformaient les femmes qu'il attrapait en objets dont il pouvait disposer. Ce qui l'intéressait vraiment n'était pas de tuer. Il tuait sa victime assez vite pour pouvoir manipuler le cadavre à sa guise. C'est tout ce qui l'intéressait. Il avouera les trois crimes auxquels il est accusé, et au cours de la semaine, il avouera le meurtre de quatre autres femmes, portant le nombre à 8 victimes. Le 30 mai 1999, Gillis est à la recherche d'une victime quand il tombe sur Hardy Schmidt, âgé de 52 ans, qui était en train de faire son footing sur le Kieran Drive. Il sera retrouvé deux jours plus tard dans un bayou au large de la route 61, dans la maison de retraite où il avait tué Anne Bryant. Sean avouera qu'il avait heurté Hardy avec sa voiture. Il l'a ensuite forcé à monter dans la voiture avant de l'emmener dans un parc près de Highland Road et de la violer. Puis, il l'a placé dans son coffre jusqu'à qu'il la jette deux jours plus tard. Lillian Robinson, elle, est portée disparue en janvier 2000. Des mois plus tard, son corps est retrouvé dans le bassin d'Atchafalaya. Lillian avait été étranglée avant d'être jetée du pont. C'est après les aveux de Sean que Terry comprend d'où venait cette odeur le jour où il est venu la chercher à son travail. Un corps, celui de Hardy Schmidt, se trouvait dans le coffre de la voiture. Mais ce qui est le plus troublant étaient les gestes que Gilly avoue avoir commis avant de se débarrasser des corps. Pour Catherine Hall, il trouvait ses jambes magnifiques, alors il voulait les garder. Il lui a donc coupé les jambes sur le sol de sa cuisine, chez lui, avec un couteau tranchant. Après son arrestation, les enquêteurs se demandent alors qu'est-ce qui a pu pousser Sean à tuer toutes ses victimes. Sean leur explique qu'il a un esprit pervers depuis son plus jeune âge, et que lorsqu'il avait 13 ans, il a essayé de tuer sa cousine pour pouvoir lui toucher les seins. Sean et son cousin s'amusaient à dormir dans des cercueils dans un salon mortuaire en face de chez sa grand-mère. Lors du procès, la question de la santé mentale de Gillis fait l'objet d'examen. Sean se demandait pourquoi, ce qu'il semblait avoir hérité de ce qu'il percevait de son père et si cela expliquait comment il était. Gillis est reconnu coupable de meurtre au premier degré et est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Sean est en ce moment incarcéré au pénitencier d'État de Louisiane. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, si vous ne le savez pas.